le fait qu'on fait des trucs de fou quasiment toutes les semaines en fait. Il y a beaucoup d'inters qui se ressemblent, mais il n'y en a jamais les deux pareils. Et franchement, parfois on peut faire des nouvelles techniques, comme il y a peu, et c'est vraiment ça, c'est ce niveau-là, c'est le côté qui se renouvelle à chaque fois. Maintenant, ce qui est difficile, c'est quand je vais donner un coup de main en rire. Ça, c'est avec les patients Covid qui sont vraiment pas bien. Ça, c'est difficile. Quand il y a des patients qui décèdent sur table, malheureusement, ça arrive rarement. Mais ces temps-ci, ça arrivait plusieurs fois. C'est ça. Mais il y a peu, quand on a fait, par exemple, la première thoraflex, une intervention en cardiaque, il a fallu remplacer l'aorte ascendante de la valve aortique. L'aorte ascendante, la crosse et l'aorte descendante, c'était une des premières de Belgique. Et on a fait ça ici, j'étais dessus. C'est un boulot de passion. Bah, et puis quand il faut, je vais pas partir. Il est 4 heures, il y a encore un patient sur table, il n'y a personne pour me remplacer. Je vais pas dire à l'anesthésiste, le chirurgien, bon, moi j'ai fini, je m'en vais. Non, si dans des cas comme ça, il faut rester. Ou alors quand on me rappelle la nuit pour une urgence cardiaque, il faut être motivé. Faut être motivé.